Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance générale du week-end. Week-end du 4 et 5 juin 2022 et peut-être même du lundi 6 pour les personnes qui font le pont. Mais comme tout le monde ne fait pas le pont, je reste sur le week-end du 4 et 5 juin. Alors, avec les rêves enchantés, l'oracle, pardon, des fées. C'est pas les rêves. L'oracle des fées, le Normand. On ferme notre petit tableau à 9 cartes. 3 cartes avec Monsieur Béline. Et j'avais envie de prendre une carte avec l'oracle des fées. Voir un petit peu un petit message pour notre week-end. Je ne sais pas si vous avez pu vous en rendre compte. J'essaye de poster parce qu'il n'est pas facile quand on est en dessous de 1000 abonnés. Mais j'essaye de poster une petite carte tous les jours. Et là, j'avais ces derniers jours, j'avais posté une petite carte de l'oracle, un message de l'oracle des fées. Choisi comme ça au hasard pour la journée. Je trouvais ça sympa. Dites-moi si vous aimez. Sinon, ben, je ne continue pas parce que c'est beaucoup de travail tout ça aussi. Mais si vraiment vous appréciez, que vous aimez, c'est un plaisir pour moi. Alors, week-end du 4 et 5 juin, un petit message de l'oracle des fées, s'il vous plaît, pour notre week-end du 4 et 5. Allez-y doucement. Bon, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Eh bien, en parlant de porte, je vous invite à regarder la guidance sentimentale où il est question de porte à ouvrir. Alors, c'est marrant que les fées nous sortent ce message. Je trouve que c'est tout à fait... Ça va de pair. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Allez-y doucement. Message très rigolo par rapport à... C'est marrant. Je trouve ça mignon. Alors, c'est une guidance générale, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle. Faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Alors, week-end du 4 et 5 juin. Et pour certains, peut-être vous faites le pont. Je vous le souhaite, en tout cas. Week-end du 4 et 5 juin 2022. Alors, à la coupe. Le foyer et les discussions. Eh oui. Discussion concernant le foyer. Discussion au sein du foyer ce week-end. Bien sûr, on discute. On essaye de ne pas vouloir. Peut-être qu'on en a assez aussi. Hein. On fait trop de choses. Il est temps peut-être de mettre les pendules à l'heure pour certaines personnes. Alors, week-end. Du 4 et 5 juin. Du 4 et 5 juin. Alors, est-ce qu'il faut que je monte tout ça? Hop, pour que vous puissiez tout voir. Voilà. Très bien. Ah, ben, alors les amis, il est vraiment question du foyer ce week-end. Alors, on va voir un petit peu pourquoi. Bien entendu, le foyer est mis à l'honneur là. Hein. Il y a beaucoup de sincérité. Il se passe des choses très belles au sein de votre foyer. Il y a de la fidélité. Il y a beaucoup de fidélité au sein de votre foyer là. Hein. On est dans... Peut-être allez-vous recevoir un ami, certaines personnes. Vous allez peut-être recevoir un ami ce week-end chez vous. En tout cas, une maison de une maison. Personne de confiance. Hein. On sent une atmosphère très chaleureuse ce week-end pour certaines personnes au sein du foyer. Quelque chose d'apaisé, vous voyez, de calme, de serein. Ah, ben ça va peut-être pas durer longtemps. Bon. Oui, d'accord. Alors, pour d'autres personnes, vous allez peut-être recevoir donc du monde, on va dire un ami. Mais autour de ce calme apparent, il risque d'y avoir du conflit.
de la dispute, des choses qui vont être dites. Vous allez l'apprendre d'ailleurs, hein. Alors, est-ce que c'est souci familial? Pour l'instant, je ne saurais vous le dire. En tout cas, c'est au sein, voilà. Il y a quelque chose sur lequel vous vous projetez, mes amis. Et cette projection m'a l'air d'être difficile par rapport peut-être à des nouvelles que vous attendez, qui sont peut-être... c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous n'avez peut-être pas encore reçu d'ailleurs. Et il y a de la tension. Alors, est-ce que c'est les nouvelles... Pour certaines personnes, vous allez avoir la visite d'un ami, hein. Visite ou nouvelle d'un ami, hein. Pour d'autres, il y a une certaine querelle. Quelque chose, pourtant vous vous projetez, mais une dispute qui va tourner, on va dire, alors je vais pas dire à la haine, mais on voit une dispute. Ah, il y a ma consultante et mon, ou alors. Ma consultante, bien entendu, ou une femme proche de vous. Il y a de la fidélité autour de cette personne, en tout cas, autour de vous. Oh, le couple. Alors, c'est magnifique. Le couple va être confronté à des nouvelles, peut-être, qui vont un petit peu les déstabiliser. Vous avez des rêves, peut-être des rêves de mettre en place quelque chose avec sincérité. Et les nouvelles qui vont arriver, ou vous avez des nouvelles d'un homme qui vont un petit peu vous contrarier. Alors, est-ce que c'est par courrier? Est-ce que vous allez en avoir la visite? Voyez un petit peu comment ça vous parle. Il y a des tensions en tout cas pour un homme, ou pour un homme proche de vous, ou pour vous-même si vous regardez. Après, on peut inverser, hein, je dis homme, hein, mais de toute façon, vous êtes là tous les deux. Alors, je pense que c'est le couple qui est mis en avant de ces conflits. Peut-être aussi que ça peut être vous au sein du foyer où il y a une discussion. Et je le répète, je l'ai vu dans la guidance sentimentale. On va peut-être mettre les choses à plat, d'ailleurs. Hein? On va voir les choses plus loin. Si ce n'est pas dans le domaine sentimental, là, on voit bien qu'au sein du foyer, vous pouvez avoir des nouvelles d'amis. Mais attention, je vois une certaine tension quand même autour. Hein? Vous allez mettre fin à quelque chose. Vous allez mettre fin à quelque chose au sein de votre foyer, autour de vous, pour vous, qui va vous permettre de rattraper un équilibre, pour vous permettre de rayonner, de ravoir des rêves, en fait. Vous allez voir clair, hein, mais il y a beaucoup d'émotions ce week-end. Hein. Alors après, peut-être aussi qu'une dame peut avoir la visite d'un ami du passé aussi. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Vous avez quand même des intuitions, vous avez des rêves pour trouver un équilibre, mais certaines personnes vont avoir des nouvelles aussi d'analyses qu'ils ont passées, médicales. Il y a un voile qui se lève, hein, sur peut-être une attente, on attendait, on était inquiet, mais bon, ça se lève. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Vous allez mettre en lumière pas mal de choses ce week-end, peut-être au sein d'un couple d'ailleurs. Alors, on va recouvrir tout ça. Il y a aussi dans le cadre amical, il peut pour certaines personnes y avoir un certain conflit, j'ai envie de dire, sur le plan amical. Ou bien vous pouvez apprendre quelque chose aussi qui va vous perturber sur le plan amical. Hein. Peut-être la maladie d'un ami. Peut-être aussi c'est vous qui mettez fin avec un ami parce qu'il y a eu des tensions, par exemple. Bien, on va recouvrir tout ça. Il y a aussi donc on voit, on est en présence d'un couple qui va mettre les choses au point aussi concernant la maison pour rattraper un bel équilibre. Alors, ça peut être une personne aussi peut-être un petit peu autoritaire, votre ami éventuellement. On voit aussi qu'il est question de finances pour une dame. Ce week-end, on va peut-être discuter finances.
démarrer quelque chose de nouveau d'ailleurs. Alors on va pouvoir couper. Certaines personnes vont peut-être récolter aussi concernant les finances. Il y a de la... Ouais, c'est peut-être ça aussi, parce que là, on voit qu'on démarre quelque chose de nouveau. Vous avez des rêves, en fait, hein, et c'est bien ma consultante ou une femme proche de vous qui est concernée pour ses finances. Peut-être allez-vous aussi, certains, avoir le coup de pouce de quelqu'un financièrement. On va mettre fin à quelque chose, non sans certaines tristesses, d'ailleurs. Il y a peut-être des choses qui sont encore non dites au niveau foyer-famille que vous risquez donc d'apprendre. Et c'est peut-être pour ça aussi que certaines personnes vont mettre, on va dire, un terme tout simplement avec des personnes de l'entourage. Parce qu'à un moment donné, pour retrouver de l'équilibre, eh ben, il va falloir faire un choix, prendre une nouvelle direction. On voit bien aussi peut-être que vous allez apprendre quelque chose de triste concernant un ami, une personne qui était assez, qui avait du caractère. Il y a au sein du foyer pour vous, le couple, de la tension due certainement à des personnes extérieures. Je retrouve ces tensions avec le serpent. Vous allez couper, vous allez devoir être coupé. Parce que vous risquez d'apprendre, je pense, vous allez apprendre des choses qui ne vont pas plaire. Il y a du mensonge, il y a de la trahison là. Hein. Il y a. Alors. Il y a plusieurs hypothèses. Ou c'est le couple qui va apprendre ça au sein de son foyer, des choses qui étaient cachées, qui vont être mises en lumière. On va lever le voile sur une certaine situation. Ou bien, c'est vous, ma consultante, ou une femme proche de vous, qui risquez d'apprendre des choses sur un homme. Alors, voyez comment ça résonne en vous, où il y a risque de mensonge. On a trompé certains éléments. Pour démarrer quelque chose de nouveau, il va falloir avoir plusieurs informations en main. Il va y avoir, bien entendu, vous allez effectivement avoir vent de choses qui vont amener de la tension, hein. Mais les choses vont s'apaiser avec le trèfle. On voit que les choses s'apaisent. Je sens de la jalousie féminine là aussi. Vous voyez, s'il n'y a pas, alors ou j'ai envie de dire une tierce personne, ou il y a de la jalousie prononcée au sein du foyer ce week-end pour certaines personnes. Alors, pour d'autres, on voit très bien un projet qui se met en place. On en discute en tout cas, même si ça attise la jalousie, hein. Et c'est que du bonheur, les cartes des amoureux, là, on va fêter des choses. En tout cas, il y a des choses qui vont être mises, des projets qui vont être mis en place. On va en avoir des nouvelles d'ailleurs. Et on démarre bien quelque chose de nouveau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vos rêves vont se mettre en place. Puisqu'on va rattraper un bel équilibre, un choix va s'imposer, on va prendre peut-être une nouvelle direction ensemble et on va avoir des nouvelles de ce projet. En tout cas, on prend une nouvelle direction, c'est que du bonheur, c'est un bel équilibre. On va pouvoir couper, une femme va donc couper par rapport à certaines informations qui vont lui arriver. Concernant un ami, il y a effectivement un peu de tristesse. Autour de ça. Alors, est-ce que c'est médical? Est-ce que je vois pas départ? Mais il y a effectivement, est-ce qu'un ami n'est pas impliqué dans des choses qui sont non dites, des choses qui n'ont pas été dites, des informations qui vont vous arriver, peut-être par l'intermédiaire de cet ami, mais on voit aussi qu'il y a quand même une cassure avec un amical, hein. Les disputes ne vont pas durer. De toute façon, les choses vont être mises en lumière et ensuite des solutions vont être trouvées, puisque on voit très bien avec ce trèfle une situation qui s'arrange quand même, hein. Même si c'est un petit peu tendu. Il va y avoir la conversation qui va être porteuse on va finir par s'expliquer, je veux dire, pour trouver une solution. Voilà, les amis, beaucoup d'informations. Je vois aussi les finances, hein, les finances qui vont vous arriver dans le foyer, hein. Alors une rentrée d'argent,
Voyez un peu comment ça résonne pour un changement. Et effectivement, là, on voit bien que les nouvelles vont arriver. Vous allez en avoir des nouvelles de votre projet, d'ailleurs, de votre financier. On voit très bien quelque chose de nouveau qui démarre avec un beaucoup de chance pour des couples. Voilà ce que je peux dire en tout cas pour. Je vois tension au sein de d'un certain couple. Hein. Il y a bien comme s'il y avait une tierce personne. Voyez comment ça résonne en vous. Bien sûr, tout le monde n'est pas dans cette situation. Il y a des beaux projets qui se mettent en place, un bel équilibre aussi qui arrive. Il peut y avoir une petite situation, on va dire, tristounette par rapport à certaines informations que vous pouvez recevoir d'ailleurs, que vous allez recevoir. Ça peut être de la nostalgie aussi pour certaines personnes par rapport à une situation peut-être cachée. Est-ce que certaines personnes ne vivent pas une relation, on va dire, triangulaire, voyez un petit peu comment ça vous parle, mais attention, il risque d'y avoir de la tension, je ne me répète pas, hein, attention, il risque d'y avoir de la tension autour de cette situation. Voyez comment ça résonne pour vous. Voilà les amis, ce que vous pouvez voir avec notre tirage du petit Lenormand. Alors, nous allons prendre trois cartes avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, week-end du 4 et 5 juin 2022. Week-end du 4 et 5 juin 2022. On démarre quelque chose. Alors, ce démarrage de quelque chose ne va pas se passer sans difficulté hein, pour mettre en place mettre un petit peu ce qu'on a vu. On est en attente de nouvelles, hein, mais qui vont finir par arriver. Hop, à la coupe. Du bonheur. Bien. Du bonheur. Alors, peut-être qu'on va prendre un petit week-end à la campagne. Hein, on va se retaper un petit peu les méninges, j'ai envie de dire. C'est du bonheur en tout cas. Ça peut être aussi la santé qui est bonne, les amis, si on était en attente de nouvelles. Alors, on est bien face à du changement qui va arriver par un heureux hasard d'ailleurs. Vous êtes appuyé, vous allez avoir un coup de main. On voyait un coup de main amical hein, dans le jeu avec l'oracle des fées. Alors, je ne recouvre pas l'appui, bien entendu, l'appui de sur terre ou l'appui de là-haut. Alors, ce changement, il est pour vous, monsieur, ou pour mon consultant, ou un homme proche de vous. C'est une invitation. Alors, lors d'une invitation, oui, il va y avoir une invitation et il va y avoir un certain changement autour de ça. Mais de toute façon, vous en avez l'appui. Donc, nos problèmes. Je ne recouvre pas, c'est pas la peine. On voit qu'il y a un changement pour vous. Alors, ça peut concerner une invitation, effectivement. Mais en tout cas, ça va être par un heureux hasard. Ou vous n'étiez pas invité, vous allez l'être. Ou lors de cette invitation, il va se passer un hasard qui fait que certainement, ça va occasionner du changement pour vous. Et vous êtes appuyé. Voilà, mes amis. J'espère que ce week-end, j'allais dire, bah oui, que votre week-end va bien se passer déjà. Que ce tirage vous a plu, vous a parlé, vous parlera. N'hésitez pas à me le faire savoir. Merci pour votre présence, pour votre fidélité et pour vos pouces j'aime. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous invite à regarder la guidance sentimentale pour ceux qui sont intéressés. Et je vous dis à bientôt.